Hello à vous, ici Fred Laolès, et on se retrouve aujourd'hui, vendredi, sur les terres dévastées, le Borderlands, avec notre ami Krieg. Et voilà, nous avions trouvé vendredi passé cette chère Lilith, le faucon ardent, hein, Lilith qui est bien sûr la sirène du Han, n'est-ce pas? Et nous allons la soigner donc. Donc, on la soigne en cours. Je lisais le truc en même temps. Voilà. J'ai besoin d'un petit remontant. Va me chercher de l'iridium, tu veux? Je dois en avoir dans un de ces coffres. Voilà. Donc, on va commencer direct par de l'action. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je vais nickel. Hein. Ça va super bien. Ouais, c'est ça. Tu veux bien m'en donner? Donc, ça, là, nous sommes sur l'histoire principale, hein, bien sûr. Voilà. Hop, hop, elle s'illumine. Elle va nous raconter son histoire, hein, vous inquiétez pas. Je parie que tu cherches Roland, hein. Il est pas ici. Les sans-pitié l'ont capturé. Ils sont surexcités. Ils m'avaient jamais traqué comme ça. Ok. Donc on va commencer par de l'action. Quand je vous dis on va commencer par de l'action, je ne vous mens pas. Je sens qu'on va se marrer. Je vais voir si je peux en désintégrer quelques-uns pour toi. Ouais, ça serait sympathique. Wow. En tout cas, elle est assez efficace, notre petite amie Lilith. Wow. Voilà. Tire sans viser, hein, c'est ce qu'on appelle les tirs de hanche. C'est pour qui la première porte? Ouf. Oh, je me suis fait détourner. Ah, il y en a deux, mon Dieu. Il y en avait deux. Mon Dieu. Il y en avait deux, mon Dieu. Hop. Il y en avait deux ou il y en avait un? Je ne me souviens plus. Ouais. En tout cas, c'est la merde. Hop. C'est vrai qu'il est long à recharger, là. Tu vas mourir, toi, ouais. Toi aussi, tu meurs. Hop là. Hop. Joli tir à bout portant en même temps, comme ça. Hop. En tout cas, elle est très utile, elle aide beaucoup, hein. C'est pas un... Là, par contre, ouais, il y en a deux, et ça... Ouf. C'est pas une IA inactive, c'est pas une IA inactive, comme vous pouvez voir, Lilith, elle fait vraiment son taf. Ça fait plaisir de la part d'une IA. Donc on doit lui parler, évidemment. Non. Ah oui, on doit lui redonner de l'iridium, je crois. On doit lui redonner du remontant. Elle est accro à l'iridium, Lilith. Ouais, c'est ça. Tu veux bien m'en donner? Oui, minute. Permets que je fouille tes coffres. Tu peux, hein. Voilà, tiens. Merci.
Emma Bezac, c'est revenu. Oui. Depuis que l'arche a été ouverte, mes pouvoirs de sirène sont un peu bizarres, grâce à ce truc-là, l'iridium. Je sais pas pourquoi. Bon, et si on s'occupait de sauver mon fiancé ? Qu'au rapport. Mission accomplie. Enfin, ex-fiancé. Dégâts corps à corps. Chopé par les sans-pitié, Roland récoltait des informations sur l'arche et sur les projets de Jack. Tu dois le retrouver. Moi, je vais retourner à Sanctuary, faire en sorte que la ville n'implose pas en l'absence de Roland. Mais d'abord, je vais te téléporter à Bloodshot Stronghold. C'est là que les sans-pitié gardent Roland. Tu auras l'avantage de la surprise. Ça va être tip-top. Bouge pas. Je t'ai fait bouger de 3 mètres, c'est ça ? Désolée. Je ne maîtrise pas encore tous ces pouvoirs. De toute façon, à Bloodshot Stronghold, c'est pas détendre. Tu ferais peut-être mieux de t'entraîner avant de te frotter à eux. Et au fait, tu t'en sors drôlement bien. Continue comme ça. Merci. Voilà, donc elle nous a... envoyé 3 mètres plus loin, tout simplement. Hop, on recharge ça. Donc on peut retourner, on peut retourner là, hein, il n'y a plus de danger, on peut aller fouiller les caisses, voir les armes, prendre ce qu'on peut revendre. Et voilà, elle a été plutôt efficace, Lilith, dans son aide. Donc voilà, on a tout fouillé apparemment. Il ne nous reste plus qu'à repartir. Hop. Donc on va pas repartir, on va pas faire le chemin inverse. Par où elle nous avait téléporté ? 2-3 mètres. Ça va être tendu si je saute d'ici, vous croyez ? Il y a une troisième, il me semble. Et d'ici ? Et d'ici, c'est la mort assurée. J'essaie de voir ce que c'est que ce petit dessin. Donc vous voyez, elle nous avait téléporté là-bas, ouais. Je sais pas si on peut y retourner par contre là-dessus. Si, normalement. Hop, oui. Et on peut redescendre de là. Et repartir. Tout simplement, parce qu'on aura pu faire le grand tour, mais bon. Pour vous imposer le grand tour. Hop, voilà, il n'y a pas moyen, cousin. Bon, ça mène nulle part, hein, là, c'est, enfin... Hop. Là, c'est un cul de sac. Et non, pas un sac de cul. Oh, oh, la dissidence du sac de cul. Qu'est-ce qu'on a là, des modes de grenades ? Tous plus merdiques les uns que les autres. C'est vrai que pour l'armement, des fois... C'est pas tip-top. Normalement, il n'y a plus d'ennemis, hein. Normalement.
Ah si. Ah mais c'est des petits enflammés. Mais si, si, ils ont repopé. Tant mieux. Oups. J'aime pas trop me faire entoiler. J'adore les vibrations qui font. Oui, je t'ai pas sauvé pour. Hein. Voilà. Parfait, c'est des petites. Hop. Je pense que quand nous serons de retour à Sanctuary, donc on va être de retour à Sanctuary, on fera quelques missions secondaires pour le prochain épisode. On fera quelques missions. Vous voyez ça, si je l'éclate par exemple. Tire combien lui? C'est ça du 40? Mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Bon, il va falloir que je change de flingue, moi. Bah, après, il est peut-être puissant sur les ennemis. Hein. C'est sûr qu'il est sûrement plus puissant que 18. Ah, il faut que faut que tu fasses le tour. Tu peux pas te barrer comme ça, faut que tu fasses le tour. Alors là-dedans, il y a des fois je me perds, donc si je me perds trop, je vous ferai une ellipse. Mais je crois pas, là il y a le portail. Donc ça va. Hop. Treehound Divide. Donc on va pas aller libérer Roland, on va aller à Sanctuary. Il nous reste, on va faire encore un petit quart d'heure de tournage, on va faire une petite mission secondaire, essayez voir. Hein? Allez à Sanctuary. Hop, une petite gorgée de café. Oula, oula, oh, oh, oh! Comme l'impression que je vais mourir. C'est l'heure de la strangulation. Je peux aller à Sanctuary. Ouais. Comme l'impression qu'on va se retrouver dans la... Hop. Dans l'obligation de faire la mission. Bon, après, c'est pas gênant, hein. Tellement de trucs à voir dans le jeu que...
croyez que ça vaut le coup que je prenne une bagnole? Hop. On va changer la couleur, hein, comme on fait toujours. Pourquoi pas? Ardoise. C'est joli, ardoise. Hop là. Bon, mais c'est parti. Hop. Three-Owned Valley. Dès qu'on peut se téléporter... Happy Pig, ah, le cochon heureux. J'aime bien ces univers-là, voilà. Borderlands, Fallout, les univers post-apocalyptiques. Oh, vous allez me dire, mais t'es complètement tordu, mon pauvre jeune homme. Ouais, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous aimez bien aussi, hein. Avouez, avouez, avouez. Non, ouais, on est vraiment bien dans ces univers-là. Donc là... Ah oui, là, il y a un truc à faire. J'aimerais bien EP. Vous avez vu où j'en suis, de la barre en bas? J'en suis presque, presque, presque. Ce qui ne veut rien dire, j'en suis presque, presque, presque. Alors, sans alimentation, parce qu'il va falloir... Oh, pour une apparence. Lecture du message enregistré. Ah, laisse en pitié, nous font la peau. Ah, fin du message enregistré. T'as trouvé le motel à Pipig? Ouais, les sans-pitié ont ravagé cet endroit après que Roland les ait virés de Sanctuary. Tu pourras peut-être rétablir l'alimentation si tu réactives la pompe à vapeur. Ok. Quoi encore? La pompe à vapeur est en rade elle aussi? Je vois d'où ça vient. Et je vais y aller doucement pour que tu piges bien. Je me lance? Elle est complètement déglinguée. Tu ferais mieux d'aller piocher des pièces de rechange sur les autres pompes près du motel. Ok. Donc on va faire cette petite mission avant de se laisser tranquillou. Hein. Merde, je pouvais pas changer l'arme. Il va vraiment falloir que je change de flingue. Après, il y en a une qui est pas très loin. Qui l'a d'ailleurs. Ouais, comme par hasard. Comme par hasard. Ouais, ça servira ça pour faire tomber l'échelle. On va tenter de la choper comme ça, alors. Mais putain. Hop là, voilà, on l'a eu. Wouhou. Oh putain. Ah, je vous l'ai dit, je vais souvent me retrouver dans la peau de celui, voilà, qui meurt. Surtout, il était trop loin. Il était trop loin, j'ai un fusil à pompe, il balance des grenades, why not? Bon. Pas la buter, elle. Par contre, là, la voix qui nous...
qui nous énerve. On va se diriger vers. De toute façon, on aura besoin de la voiture, donc on va se diriger vers l'autoloc et on va se re-téléporter dans la voiture. Ça, c'est une particularité de l'autoloc. Hop, monter dans le véhicule, voilà. Descendre du véhicule. Bon, parce que je tiens quand même à finir le boulot, hein. C'est toi le petit fumier là aux grenades. Mais vas-y, recule! Recule encore, recule, vas-y! Ah si, c'est quand même puissant. C'est quand même puissant. Alors, notre véhicule, n'est-ce pas? Hop, conducteur, c'est mieux. Hop. Allez, de là-bas. Je suis prêt à te parier le rein qui me reste que tu peux trouver un condensateur en état de marche. Ouvre le boîtier électrique et prends le billet. Oh, j'adore quand tu t'étales sur mon pare-brise. Ah bah ben voilà. Qui aurait dit que je presse sur les skags. S'il te plaît. Oh, mes pecs ont des pecs. Mes pecs ont des pecs. Désolé, mais bon, il nous disait que, en gros, qu'on avait bien joué. Ah putain, j'ai tiré sur ma bagnole, quoi. What? Et vas-y, ah, mais c'est le viol! Le viol du Skag, vous connaissez ça? Ah oui, dans le premier, il y avait Skag Gully, qui était bien impressionnant aussi, ouais. Où il y avait des skags gigantesques. Ouais, je m'en souviens. Bah voilà, c'est le condensateur dont j'avais besoin. Hé, hey, question bonus. Putain, ils sont violents, les uns. Nimo. Attends, je pas de truc mal à l'aise, hein. Je te parle d'espionnage ou récit en toute amitié. Ouais, enfin bref, branche-moi tout ce bazar. Ah, t'es là. Tout. Mon Dieu. De toute façon, il fallait qu'on se les cogne, puisque... Le boîtier avait été mangé. Hop. Pourquoi j'avance plus? Allô? Oh. Oh. Oh putain, un pneu. S'il te plaît, t'es sérieux. C'est vrai que les voitures de Borderlands, mon Dieu, elles s'arrêtent, je sais pas, c'est des voitures tout terrain, mais elles sont pas capables de monter sur un pneu. Alors que n'importe quelle voiture, votre voiture, le fera. Ah, là, non. Pendant qu'un petit appelle son papa. Près de chez moi. Je sais pas si vous l'entendez ou pas, mais... Il appelait son papa. Super robot,
suis dans les bons. Je vais te montrer qui c'est. Il faut exterminer celui-là pour récupérer l'élément dont t'as besoin. D'accord. Pas énervé. Oh putain, mais c'est quoi, c'est le roi des garogos, lui? Pas me laisser foutre en l'air par un garogo, non? Eh. Eh. Scooter. Alors, est-ce que les scooters sont tous mécanos? Parce que quand même, scooter dans Sheriff Fais-moi peur, c'est le mécano aussi. Bien, on dirait que t'as tout ce qu'il faut pour réparer cette pompe à vapeur. Ouais. Franchement, c'est Bitonio. Et le tableau des primes sera aussi remonté à bloc qu'un athlète olympique dopé dont les parents ont des attentes irréalistes. Hop, alors après, c'est en haut, en haut, en haut, en haut. Alors on est... Non, pas c'est de l'autre côté, d'accord. On est toujours dans notre habit de bourreau. Hein. Quand on pourra changer de tête, on le fera. Hop, voilà. Et c'est encore plus haut, ça me semble. Mais il faut sauter pour la choper. Voilà. La pompe est prête à fonctionner. Active-la et fais jaillir les étincelles. Hop, alors on se prend pas de dégâts de chute. C'est ça qui est bien. Dans le premier Borderland, on s'en prenait des dégâts de chute. Hey, le tableau des primes devrait être rechargé maintenant. Hop. Active-la et tu devrais avoir accès à un tas de nouveaux boulots. Secoue-toi les puces. Donc le courrier doit arriver à temps, c'est ce que je vous disais, c'est celle que je ne prendrai pas. Enfin, je vais la prendre pour que j'ai pas le point d'interrogation. Mais c'est une que je ne ferai peut-être pas. Parce que c'est une mission timée. Et je suis très mauvais dans les missions timées. Voilà. Tout simplement, je suis très mauvais dans les missions timées. Alors, dégâts corps à corps plus important. Ça, je vais le revendre parce que en général, je me prends toujours les... Je vais voir par rapport au mien, là, ce que j'ai. Je me prends toujours les santé, les trucs comme ça, tout simplement. Donc, ça, je vais le revendre. On va le revendre aussi. Comme ça, ça sera fait. Ça fera de la place, hein, écoutez. Je vais juste garder ce mode de grenade que je mettrai peut-être au coffre-fort. Bouclier qui est moins résistant. Voilà. Alors, pour éviter de revendre mon apparence sadique et d'avoir à la racheter, je vais tout simplement la valider. Voilà. Donc, on la mettra quand on rentrera à Sanctuary, tout simplement. On va acheter des munites. De toute façon, on passe notre temps à acheter des munitions, hein, là. 48, parfait, on a tout. Et ça, le courrier, donc faut aller sur le bus, prendre le courrier, et aller les mettre dans la boîte aux lettres, mais c'est trop hard, croyez-moi, c'est trop hard. On va voir un petit peu ici avant de se laisser. Enfin, c'est timé pour moi. Phew. Voilà, tout simplement. Donc je ne pense pas le faire. Dégâts pointe 77, 313 par contre de délai. Allez, moins 100 santé max. Ça, je le prends pas, ça par contre. Ça par contre, je le prendrais bien, quoi. Même s'il y a un autre délai de rechargement, mais...
On va le prendre. La vie, la vie, la vie. Ouais, ça fait toujours un petit peu plus de vie. Ça fait toujours un petit peu plus. Hop. En attendant... Alors attendez, est-ce que j'ai un téléporteur par là? Oui. Il y en a un là. Hop. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à Sanctuary. Il me semble que c'est la première. Non. C'est là. Sanctuary. On va aller à Sanctuary pour se laisser. Comme ça, on sera totalement... en totale santé, puis on va voir la nouvelle couleur et on va changer de tête en même temps pour le prochain épisode. Hop, voilà, voilà. Hop, nous sommes ici. Et bonjour, bonjour. C'est de ce côté, c'est de ce côté. Ma belle soif. On va prendre quoi comme tête, tenez? Souffle long. Ha. Que d'un côté, c'est marrant. On va prendre souffle long. Et on va prendre la nouvelle apparence qu'on a gagnée avec... Oula. Ouh, c'est très coloré. Ouh, tu vends du rêve. Mon ami, mon ami, mon ami. Eh ben écoute. C'est comme ça. Et pas autrement. En tout cas... Ouais, on peut le laisser comme ça, hop. Voilà, le sadique. En tout cas, ben voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce vert, un petit commentaire, ça me fera toujours plaisir et j'ai toujours plaisir à interagir avec vous. Pour l'heure, il ne me reste plus qu'à vous dire bisous filles, amitié aux gars. Et à très très bientôt. Bye bye. Oh, c'est les couleurs de l'amour. Les couleurs de l'amour.